Je suis Mathieu Contrepoix, chirurgien dentiste, installé à Bordeaux, ancien assistant hospital universitaire, et j'ai une activité orientée vers l'esthétique. Oui, bien sûr, les façades, ce sont des restaurations minimalement invasives en céramique, souvent pelliculaire, qui intéressent principalement le secteur antérieur. Très bonne question. Eh bien, il m'arrive de faire des formations, notamment des travaux pratiques, et ben là, il faut manipuler. Et le mieux, c'est d'utiliser le matériel que j'ai au cabinet. Moi, j'utilise les fraises Comet. Et donc, pour faire quelque chose de bien dans le TP, j'ai pensé à faire mon coffret. Comme ça, les participants utilisent les instruments que j'utilise au cabinet. Et donc, voilà comment est né ce coffret. Oui, bien sûr. Hop! En haut à gauche, là, vous avez un premier jeu de fraises. Ce sont des fraises rainurées ou cannelées qui vous permettent de préparer avec une épaisseur contrôlée. Donc là, on a deux fraises, une qui va vous permettre de préparer à 0,3 mm et une à 0,4 mm. Donc celle-ci, ce sera plus pour de l'IMAX et celle-ci plus pour les feldspathies quand on va être encore plus minimalement invasif. Donc on va regarder un petit technique pour illustrer. Donc là, on a un patient qui veut faire deux facettes. On a une grosse résine en composite et puis la forme de l'autre dent qui ne lui plaît pas. Donc on a fait un projet esthétique sous forme de mock-up. On voit l'utilisation de la fraise cannelée. Alors en fonction de la longueur de la dent, on va l'enfoncer sur les trois rainures ou sur deux. Ici en l'occurrence c'est une dent courte, donc on a fait simplement deux rainures. Et quand on a une dent longue, il faut faire les trois rainures et on va changer l'angulation de la fraise. Pourquoi des fois quand on a une dent courte il ne faut pas utiliser la troisième rainure? Eh bien quand on s'approche de la zone cervicale, il y a peu d'émail, on doit rester dans l'émail, donc on va éviter d'éliminer l'émail dans cette zone. Une fois qu'on a utilisé la fraise, on va marquer notre fond de rainure avec un critérium pour bien marquer les zones de profondeur. Ensuite on va faire une préparation au niveau du bord incisal. Pour cela on va utiliser les fraises de gauche, là notamment la fraise bac vert que vous avez juste ici. Celle-ci va nous permettre d'enlever une épaisseur d'environ 1,2 mm, voire un petit peu plus si on enfonce un petit peu plus. Et c'est ce qu'il nous faut pour ensuite avoir une épaisseur de céramique de entre 1 et 1,5 mm au niveau du bord incisif. On fait trois rainures au niveau du bord incisif de nos centrales. Et voilà ce qu'on obtient une fois qu'on a fait notre pénétration contrôlée en vestibulaire et en incisal. Maintenant, il s'agit d'enlever le mock-up. On va donc enlever notre masque en résine. Et on voit qu'ici, sur ce cas clinique, on a simplement à peine préparé en vestibulaire, puisque c'est un projet essentiellement additif. Et on va éliminer cette zone marquée avec notre fraise bac verte. Ensuite, avec cette même fraise, on va réunir les rainures incisales. Et maintenant, on va passer à la zone de congé avec notre petite fraise minimalement invasive, qui va nous permettre de faire, si on enfonce la moitié de la fraise, un congé de 0,3-0,3,5 mm. C'est ce qu'il faut dans cette zone cervicale. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a peu d'émail et donc du coup, il faut être très économe en tissu. Donc cette fraise à micro-congé, elle sert aussi à faire ce qu'on appelle le toboggan en proximal pour faire notre limite proximale en préservant la dent d'à côté, parce qu'il faut vraiment une fraise toute petite pour éviter de toucher et de léser la dent adjacente. Ensuite, on a ce strip rouge qui va nous permettre de séparer les dents, car lorsqu'on fait notre empreinte, il faut que le prothésiste puisse lire la limite, et si on n'a pas séparé les dents, ça va être très compliqué que le matériau d'empreinte marque bien la limite et que du coup le prothésiste lise votre limite. Donc il faut toujours stripper un tout petit peu les dents. Ensuite, on va utiliser la fraise congé bac rouge. Celle-ci va vous permettre d'affiner un petit peu la réunion des rainures, que ce soit en vestibulaire ou en incisale, pour faire de quelque chose d'un petit peu plus régulier. Ensuite, on a cette autre fraise minimalement invasive. Celle-ci va vous permettre de faire des petites corrections d'angulation, ici par exemple sur le cas clinique, pour que la transition entre le bord incisif et la face vestibulaire soit moins brutale. Donc on va faire ce petit lissage pour casser l'angle. Alors celle-ci, fraise en pierre d'Arkansas, très utile, pas très connue, mais ça permet de lisser, de faire un second polissage qui va être plus fin qu'au niveau de la bague rouge, donc on va avoir quelque chose d'encore plus adouci. Ensuite, on a fini nos préparations. Et on va faire un polissage plus important pour que notre produit d'empreinte fuse encore mieux. Nos préparations sont presque terminées. Là, on va utiliser d'abord notre polissoir marron et ensuite le vert. Et on va voir une belle préparation bien lisse et le produit d'empreinte pourra fuser et bien enregistrer. Donc là, on peut voir nos préparations qui ont été polies et qui sont maintenant terminées, prêtes à recevoir le petit coordonné pour faire l'empreinte. Dernière partie du coffret, ça c'est la partie finition, puisque c'est un kit facettes, préparation et finition. Quand vous avez collé vos facettes, il faut vérifier l'occlusion. Et si on a une surocclusion, eh bien on va la corriger avec la fraise olive rouge.
Et ensuite, il va falloir polir cette zone et on va utiliser le polissoir violet mauve. Et ensuite, pour finir notre polissage, le gris qui va nous permettre d'avoir un beau brillantage ainsi de ne pas user la dent antagoniste lors de la mastication. Donc, c'est important de bien polir après l'équilibration occlusale. Alors le mot de la fin, simplement, j'espère que les praticiens qui vont utiliser ce coffret vont prendre autant de plaisir à l'utiliser que moi je l'utilise au quotidien pour faire mes réalisations de facettes. À bientôt !